Mettez les cœurs, les bandits, ils ont peur de nos communications, donc on fait avec. Donc, regardez l'état de nos routes, Conakry, Furukaria, Dubreka, Tanene, aux alentours de Conakry. Nous sommes tous témoins que nos routes n'étaient pas ainsi. Ça prouve à suffisance que nous avons que des voyous à la tête du pays. Ce ne sont pas des responsables, c'est des incompétents qui dirigent la Guinée aujourd'hui. Regardez l'état de nos routes. Les recettes de l'État vont ailleurs dans l'armement pour la sécurité du bandit Mamadi Doumbouya. Regardez. Regardez nos routes. Au Kiré et Mato, on dirait des petits lacs. Hein? Regardez. Au Kiré et Mato. Et ça, c'est presque partout en Guinée aujourd'hui. Presque partout en Guinée aujourd'hui. Oye Mato. Hein? Vous dites que vous êtes venu pour le développement. Quel genre de développement? Regardez l'état de ces routes. Vous n'avez pas honte le CNRD? Lorsque vous dites que vous êtes venu pour développer un pays, mais sous le président Alpha Condé, ce n'était pas ça. Vous avez parlé de troisième mandat. L'État, là, c'est de développer le pays. Il n'y avait pas ça. Ça, là, on n'avait pas ça. Mettez les cœurs. Voyez, c'est incroyable. CNRD. Et pourtant, des milliards. Rente, la production de la bauxite aujourd'hui, les bandits ont presque doublé les bandits du CNRD. Regardez. Conakry, presque partout. C'est-à-dire pour les bandits, la Guinée-Conakry se limite à Kaloum. Parce que le bandit est logé là-bas. Mamadi réside à Kaloum. Mais regardez. Vous ne voyez pas que c'est dommage pour notre pays? Famille. Ça, ça fait pitié pour une capitale au 21e siècle. Regardez les véhicules. Kira Birimbarakana. Capitale. CNRD en train de gueuler les grands projets que les autres ont laissés la route nationale. Ils sont là à se vanter que ce sont eux. Omato, Omuya Gima, CNRD. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de l'état de nos routes? Et Nara Etana Noma Gibor Sigade Yare. Ouamato Sono. 3 ans, les routes là, il n'y a pas d'entretien. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Si nos routes sont ainsi, c'est que vous n'avez rien fait. 1, 2, 3, ils veulent insulter toutes les routes partout dans le monde. On entretient les routes parce que Woto Nandangima, Gire Naganukana, les parties abîmées là, on essaie de réparer. C'est comme ça. Les nids de poules là, une fois que ça commence, l'État, c'est pourquoi il y a un fonds d'entretien routier pour ça. Mais chez nous en Guinée, l'argent rentre, ils font ce qu'ils veulent. Quand il s'agit de goudronner devant chez eux, là, ils savent le faire. Mais la route nationale, Conakry, Dubreka, Tanene, Furukaria, ce n'est pas leur affaire. Amuna Erakira. Namuna Erakira. Ojimato. Ojimato. Famille. Dima Kini Kini. Attendez, il y a un grand problème qu'on va vous développer tout de suite. Famille, vous savez, le CNRD...
Avec nos recettes, rien ne marche. Pourtant, le président Alpha Condé n'a rien profité de Simandou. Les bandits sont venus, les bandits du CNRD, ils sont en train de tout accélérer pour que les revenus de Simandou tombent. Vous avez vu les contrats, les documents qu'ils ont signés. Je vais vous faire passer. Regardez tous ces documents avec les Chinois. Vous voyez ces documents, ces accords qu'ils ont signés sous cette transition. Des accords que les bandits ont signés. Vous voyez, en bas, il y a le ministre de l'économie, Murana Souma, dont vous voyez en bas ici, ils ont signé des accords, des prêts de 2 milliards, près de 2 milliards, ça fait près de 20 000 milliards de nos francs, que pour 17 ans. Et dans l'accord, les Chinois, ils disent que sans intérêt, vous avez vu ça où dans le monde, prêter de l'argent jusqu'à près de 2 milliards, parce que nos bauxites aujourd'hui, la Guinée c'est un pays vastement riche, on est crédible partout. Les bandits sont coincés, ils n'ont pas d'argent. Donc, ces bandits-là demandent, c'est-à-dire, on leur donne 2 milliards, mais en échange, parce qu'on vous dit que c'est sans intérêt, ce qu'on ne dit pas aux Guinéens, les Chinois, on leur donne la priorité sur tous nos mines. On nous dit dans 17 ans, jusqu'en 2040, rembourser les prêts de 20 000 milliards. Et voici comment ils vont leur donner cet argent-là. Attendez, je crois, voilà. Ils vont leur donner d'abord, conformément à leur plan, 100 millions de dollars, 100 millions de dollars en décembre 2024. 200 millions de dollars en 2025. 400 millions de dollars en 2026. 500 millions de dollars en 2027. Et 800 millions de dollars en 2028. Voici le plan du CNRD. Tout est documenté ici avec les Chinois. Voilà. Voyez, tout est documenté ici. Des vauriens comme les Djiba, des gens qui n'ont aucune notion de la République, avec l'actuel ministre de l'économie, Murana Souma. La Guinée va bien, on est en train de bailler nos biens parce qu'ils sont coincés aujourd'hui. Mois de décembre, là, 100 millions de dollars, c'est quoi pour un pays? Mais eux, pour qu'on leur donne cet argent, les 2 milliards, de dollars, il faut mettre à la disposition des Chinois l'accès, c'est-à-dire et nagana minima mouma fe kolo. Mora minerai, naga minima. Les Guinéens sont assis. Et ce qui les intéresse, c'est l'argent là. Jusqu'en 2028, 2 milliards on les donne. Que ça a intérêt. Obara nato minde. Ah, la Guinée. Le document est là. Tout est là, c'est signé. Pour dire que, voilà, tout est signé. Les Chinois ont signé, vous voyez, ils ont fini de signer. Hein. Tout est signé. Ils ont fini de signer. La Guinée, c'est fini pour ce pays-là. Mamadi a dit qu'il va faire le sale boulot. Et c'est ce sale boulot qu'il est en train de faire. C'est le sale boulot que Mamadi et son clan, ils sont en train de faire. Obara Nato Minde, on donne 2 milliards à des gens qui ont intérêt. Mais nous minons aujourd'hui. Et Nara Minimane. La Guinée pouvait devenir comme le Dubaï. La Guinée non. La Guinée. C'est-à-dire, on pouvait être comme le Maroc. Mais à cause de ces bandits-là, des incompétents, des gens qui n'ont aucune notion de la République, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Et Rayoumouna, ça ne les dit absolument rien. Et avec ça, avec ces Chinois-là, ils veulent construire des banques à Kassa là-bas. Ils veulent construire des banques Oxford. Vous savez, vous voyez Las Palmas, vous voyez Panama.
On dit les narcos mettent leur argent, ils vont blanchir leur argent. C'est pareil parce que les narcos de la Guinée aujourd'hui, Mamadi Doumbouya à la tête, la drogue, ça rentre, il faut beaucoup d'argent. Donc pour blanchir cela, ils sont en train de travailler avec les Chinois pour mettre une banque Oxford où ils vont blanchir leur argent de drogue et cobrir Naram Birimounyama pour que leur argent puisse circuler à travers le monde. Vous allez bientôt voir une banque, mais c'est une banque Oxford, des banques qu'on trouve à Panama, à Las Palmas, c'est ce genre de banque, les bandits, les narcos, c'est-à-dire les Sud-Américains, là, ils pourront faire leurs transactions, ils envoient la drogue, ils vont faire leurs transactions correctement avec ces pays-là. Ça fait partie de leur accord, hein. Ça fait partie de cet accord que les Mourana ont signé avec les Chinois. Le document est là parce que ce document, ce n'est pas facile de publier. Voilà le document, c'est pourquoi on vous montre. Les signateurs sont là. La Guinée, Mourabog, Ebarage, Mourabog, Matide, Drogmatie, Etanana, Mourabog, Jérifé. Et Wama, Banque Nagana Bife, Kassa, Narco, Ega, Banque Nara, Etona, et Drogmatima. Et Kobri Belebele Naga Mouya, ma gouvernement raconte. Pour que Nakobri, et non ma Nakobri Ramine de Kia Nare, Afari, Awa, et Fafé, na banque moderne Nanti de Kassa. Parce que Bandi, et Mara Kobri Soto, et Mara Kolo, et Rabama Kianara. Ils ne savent pas maintenant, parce que dans les autres pays, il y a des critères. Tu ne peux pas venir aux États-Unis, 10 000, plus de 10 000. Ça dépasse, il faut qu'il y ait Kolo, et Tana Business Nare. Itana affaire n'a rien. Vous savez, ils peuvent mentir en Guinée. Société Neyira, dit Neyira, Nata ira kobri, et wama auto bele bele, wama bangi bele bele, wama fe bele bele, raba fe affaire qui en a. L'idée là, de créer cette banque à Kassa, na banque Oxford, Atananaki. Donc la Guinée, que Oyarabi. Vous avez vu, les documents ont été signés. 16, signé le 16. 8e mois 2024 à Conakry. 10 mois boum, au barato. Donc, n'a donné Chinois et Soumeneira, mais la Guinée qui va perdre. Parce qu'ils ont mis nos mines en jeu. Moura Boxite et Nanansar en jeu. C'est nos mines qu'on a mis en jeu. Voilà. C'est nos mines qu'ils ont mis en jeu. C'est nos mines qu'ils ont mis en jeu. Merci Fatoumata. Il faut que les Guinéens comprennent cela. La Guinée qui est la main et Rananan comprend. Au barato, mettez les cœurs famille. Parce que c'est des sujets sensibles. Et Mouama, Mouraoué, Nakaïma, ils ne veulent pas qu'on parle de ces sujets-là. Mais vous vous fatiguez. Le CNRD. Et nous allons dire aux compagnies minières, à ceux qui viennent en Guinée, les compagnies qui viennent chez nous en Guinée pour dire qu'ils vont signer des contrats avec le CNRD, parce qu'aujourd'hui, les bandits sont coincés. On vous dit demain, nous allons annuler tous vos contrats. Nous ne sommes contre personne. Tous ceux qui veulent venir investir en Guinée, tous ceux qui sont intéressés à nos matières premières, on n'a rien contre vous. Mais ceux qui vont venir signer avec ces voyous-là, ces bandits, ces gangsters, demain, un président légitime, ils vont annuler comme ils l'ont fait avec Bernie Steinmet. Bernie Steinmet avait acheté Simandou, mais ça a été annulé. Et c'est comme ça que la Guinée va vous traduire devant les juridictions à l'international. Donc ne venez pas signer. Mamadi n'est pas... Ces bandits ne représentent pas le peuple de Guinée. Même si dans sa vœu, il n'a qu'à transformer la constitution. Les Guinéens ne seront pas d'accord. Donc, vos accords que vous avez signés avec ce régime voyou, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. C'est un régime de bandits, de gangsters. Ces bandits-là ne représentent pas la Guinée. C'est des gangsters qui ont pris des armes. Et le jour que le peuple va dégager ces bandits, tous vos contrats seront annulés. Parce que ces gens-là ne représentent pas la Guinée. Le CNT actuel a été nommé par Mamadi. Donc vous ne pouvez pas signer des contrats au nom de la Guinée. Ces voyous-là ne représentent pas la Guinée. Le CNT ne représente pas la Guinée. Voilà, c'est des élus de Mamadi. Mamadi n'est pas l'élu du peuple. Mamadi est un bandit, un gangster. Donc tout ce que vous allez signer,
on n'a qu'un cinéma, ça ne passera pas. Voilà. Ça, on vous le dit, ça ne marchera pas cette fois-ci. Regardez-moi des bandits comme ça, des Ngaye, Ko Accord. Le CNT, c'est vous qui validez, comme si vous êtes les représentants du peuple de Guinée. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous serez surpris demain. Tous ceux qui sont en train de signer là, vous serez surpris. Yeah. Vous n'avez absolument rien compris. Rien compris. Rien compris. Parce que bon, hier, la mobilisation de New York a battu tout le record de mobilisation des Guinéens à l'étranger. À part le Sénégal, hein, parce que là-bas, il y a plus de personnes. Mais hier, à New York, je crois que cette fois-ci, les bandits du CNRD, ils doivent comprendre qu'après le 31 décembre, s'ils ne quittent pas le pouvoir, et que les leaders appellent à une mobilisation générale ou à la désobéissance civile, ou alors ça va mal tourner pour vous. Et vous savez, en Guinée aujourd'hui, je ne dis pas les personnes dont vous payez, les escrocs, les démagogues que vous payez, vous-même vous savez que vous payez. Je vous dis, hier, même de l'eau, on n'a pas acheté pour quelqu'un hier. On n'a pas acheté de l'eau pour quelqu'un hier. Si vous voyez que les Guinéens, nous qui sommes ici aux États-Unis, nous vivons ici, nous faisons tout ici. On n'a rien à voir. Ça dit, c'est notre pays. On a l'amour de notre pays. On veut que la Guinée soit développée. Moutana nous l'ama mounyanga m'opposé. Mais vu qu'il y a l'insécurité dans le pays, des kidnappings de la part du CNRD, des arrestations arbitraires, et les voyous ne veulent pas nous parler des élections. Les Guinéens sont sortis ici. Ce qui veut dire, ceux qui sont en Guinée, eux, ils sont plus en colère que nous. Mais vous avez vu combien de fois les gens sont sortis. Du jamais vu, hein, du temps de feu général, là, ça n'a compté en tout temps. La mobilisation, tout le monde a vu. Et la communication, une semaine seulement. Une semaine. Une semaine. Au fur et à mesure, conduire dans cette transition, la colère des Guinéens ne fait qu'augmenter. Vous voyez, vous faites sortir la police, mais le jour que ça va péter, wallah, vous allez comprendre. Et nous n'allons pas laisser. Vous savez, les politiciens, eux, ils attendent le 31 décembre, parce qu'ils ne veulent pas que s'ils soulèvent quelque chose maintenant, là, les voyous du CNRD trouvent raison sur eux pour dire, vous avez vu, c'est des gens, ils ne veulent pas la paix. Mais c'est eux qui ont pris l'engagement. Ils ont juré. Ils ont pris l'engagement devant le peuple de Guinée et la communauté internationale. Et déjà, nous tendons vers la fin de la transition. Il n'y a rien. Donc, les politiciens, ils sont dans leur droit de demander leur départ à partir du 31 décembre. Moi, c'est pourquoi je comprends. Voilà, leur position. Eux, ils veulent être dans la légalité. Ils ne veulent pas dire aujourd'hui, il faut demander le départ du CNRD. Il y a eu un accord dynamique entre les leaders politiques et la CEDEAO pour ne pas que la communauté internationale dise, ah non, c'est vous qui avez violé l'accord. Bon, on a donné le temps. Personne n'a manifesté. La gestion du pays est dans les mains des voyous. Aucun parti politique n'est responsable de quoi que ce soit, de la gestion. S'ils ont échoué, les voyous doivent dégager. Et c'est ça la vérité. Personne ne veut de vous en Guinée aujourd'hui. Les voyous du CNRD, personne ne veut de vous. Donc, restez assis. N'aurez pas fait ce qui vient après. Vous allez sentir les Guinéens. Si vous pensez que l'affaire là, ça va passer. Vous savez, prochaine rencontre des Nations Unies, l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est le 10 septembre. Cette fois-ci-là, on vous attend. Venez encore, hein, donnez 200 000 à chaque ville ici. La mobilisation d'hier, ça c'est une semaine seulement, on a préparé. La mobilisation d'hier, ça c'est juste une semaine. Et on vous dit maintenant, le 10 septembre, Mamadi Doumbouya, il est venu, non? Ah ouais, cette fois-ci, on l'attend encore. Ce qu'on va vous montrer cette fois-ci. Vous avez vu le rapport. Vous avez vu le rapport des Nations Unies sur notre pays.
la pauvreté a augmenté de 60%. La pauvreté a augmenté, voilà. Sous le CNRD, plus de 60%. Yeah. Le rapport des Nations Unies. Et déjà hier, nous étions devant les Nations Unies. C'est-à-dire que c'est le monde entier qui a compris. Depuis que les bandits sont venus, imaginez, fonction publique, 19 200 personnes à la retraite. Et les bandits sont incapables de recruter 1000 personnes. Ils sont venus lutter contre la pauvreté. Partout où les Guinéens se débrouillaient, dans les mines artisanales, les bandits ont fermé. Ces familles-là vont faire quoi? Campagne agricole, depuis l'arrivée des bandits du CNRD. Allez-y sur la page du ministère de l'Agriculture du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, de nos pays limitrophes. Vous allez voir l'effort de l'État dans le secteur agricole et vous faites une comparaison avec le ministère de l'Agriculture du CNRD. Vous allez comprendre que ces voyous-là n'ont aucune notion de la République. Ce n'est même pas leur affaire. Ils sont flanqués dans les fauteuils. Ils ne savent même pas comment gérer un pays. C'est pourquoi les routes se dégradent. Il n'y a pas de programme de suivi. Les bandits n'ont rien dans la tête. Un groupe de tocards. Manka luka mi mako bodo. Bodo bansan sini ankuna. Ko jamana diwa. Il dit qu'on fin dou l'kame. Ankri dol dou l'kame. Ali mou makran. Même iman nazara kranke. Ali man nazara kranke. Bi, le monde est un gros village. Bi, le monde est un gros village. Adama dem pe baranya makabi. Il y a des gens qui font des vidéos en langue nationale. Manka kano, flakano, bresekano, nifelu. Mais, Ali makilolo, brofani fana ima olo. Même si tu ne connais pas. Que le sac, c'est combien de kilos? Mais le sac est rempli aussi, tu ne connais pas? Avant le 5 septembre, nos routes en Guinée, nos grandes villes, de la manière dont c'était, Anasobalu, Ksralu Trenyamka, vous ne voyez pas avant que l'État s'occupait des routes, les parties dégradées là. Hein? Les nids de poules, Altra Bela Falale, Denka Denka Menoutrey, État Terena Lale, Aïfraou le Mako dirigeant nous. Mais bandilu sinankuna al malo jamana jere la nyamka ku filu ida me ankri dodul la e manka ambramolle. C'est là que j'ai compris que les gens de la Guinée kadulu wallahi kafriya lego. Ça je vous dis hein. Dieu même Allah subhanahu wa taala il vous dit tous les musulmans sont frères ko slama bekire ali monte slama e kuika kojukala. Même quelqu'un qui n'est pas musulman, ne lui fait pas du mal. Même si c'est ton voisin, tu as la nourriture. La religion nous dit de partager avec ces gens. Ton voisin, même s'il n'est pas musulman, de ne pas lui faire du mal. Tu as la nourriture, il faut partager avec ton voisin. Mais regardez les Guinéens, ceux qui se disent. C'est pourquoi j'ai dit, je le dis haut et fort. J'ai un grand respect pour les chrétiens de la Guinée par rapport à nos parents musulmans. Tu vas voir des gens. Hier, la sortie d'hier, il y avait tout le monde hier. Ben, tous ceux qui étaient là-bas pouvaient comprendre. La Guinée, qu'a belle étreille pour nous. Il y a fallu le côté le cachadoué. Mais ben, tout le monde était là-bas. Sosemenga était là-bas. Il y avait les soussous, il y avait les forestiers, il y avait les malinqués, il y avait les peuples. Tout le monde était là-bas hier. Pour vous dire que les gens en ont marre. Mais il dit, un cri d'or de l'oukame. Maman dit, en bramoli, na filou. Maman dit, a fait le coup d'état à qui? Nous sous-collés. Maman dit, qui? Vous n'avez même pas honte. Alkana hankri sorodi. Allez, man kalou mangbeya. Ne changez pas vos mentalités là. Ne changez pas vos mentalités communautaires là. Et puis des gens sont en Occident. Ils voient le pays des autres. Et ce sont ces gens là. Vous n'êtes pas là pour unir les gens. 1, 2, 3, Asinita, Abonita. Ne changez pas vos mentalités. Il y a quoi de si bon? Qu'est-ce qui est si bon? Tu t'entends avec ton voisin. Tu es d'accord avec quelqu'un. Mais tu vas te coucher avec la haine. Et telle personne ne m'aime pas. Toi-même, tu es en sécurité. Tu es dans l'insécurité. Parce que tu te crées des ennemis pour rien. Mais quand tu es d'accord avec quelqu'un, tu vas te coucher dans la joie. Même si tu n'es pas là, ton voisin peut veiller chez toi. Sur ta maison. Mais il y a des gens seulement, eux, ils se nourrissent de la haine. Mamadi a fait quoi pour les malinqués? Allez, Kumala. Mamadi Kamouke Mandigné. Surasi Massa. Idi Ami Atodi. Sadiba Kafwa. Surasi Massa.
président Alpha Condé, Manka Massar, n'allez faire qu'ablatine. Kalam Maluya Benya Korea. Là, ça n'a compté été là pendant combien d'années? Alou Hankri Dolou. Ils n'ont rien dans la tête. Des bornés. Kono, moi, Kaka Massabouyale. Bon, c'est là que tu sens que ces gens-là, c'est des bornés. Kono, on doit respecter un président. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous ne demandez pas à votre bandit de Mamadi Doumbouya les mêmes questions que vous nous posez là? On doit respecter un président. Pourtant, le président Alpha Condé, il y a eu des élections. Le bandit, lui, il a pris des armes. Pourquoi le bandit n'a pas respecté le président Alpha Condé? Vous voyez que dans votre tête là, c'est dérangé. Alukoum, Foytaro, Fobobanzanakono. Naltate, Ankridoyaï. Quand vous, vous venez vers moi, Damaro, et Massaka Kakabouyale, Mamadi, qui a voté pour lui? Dieu dit, choisissez le meilleur d'entre vous. Allah l'onikela le kalouke, Allah nyemoye. Mamadi Kamouno, Koumfilou. Pourquoi vous ne posez pas Mamadi, il n'a pas respecté Allah sababu bodi amino. Manka djeli l'oubarala. Moba l'oubarala. Ikana nina sababu bodi ako. Il faut être reconnaissant, la religion même. La reconnaissance, c'est ce que Dieu nous demande. D'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Idame ale kafrilou la. Ankri dolou. Damaro, il faut respecter Mamadi, co-président. Et le président Alpha Condé. Pourquoi le bandit n'a pas respecté le président Alpha Condé? Vous voyez maintenant que vous n'avez rien comme argument. Bande de bornés. La République de Guinée, le président doit être élu. Des élections. Hankrin Dolou. Après la Koflalou. Ouluma Fissalouye. Parce que eux-mêmes, ils ont compris. Alka Fissanalouye. Parce que Aloum était fait Kanyaye. Le forestier, le Soussou, le Peul, ils ne sont pas ennemis de quelqu'un. La Guinée Kale en pays. Et vous voyez aujourd'hui, les quatre qui dirigent à Ben Kolanka, Amara Idi Amin, Bala Samoura, là il m'a dit, Aloukato Moufala Nyene, est-ce que la Guinée va se limiter qu'au Mandeng seulement? La capitale, il est où? La capitale est où? Mamadi n'est pas en basse-côte. Kaloum, là, c'est pas en basse-côte. Parce que ce sont les briouris, là, comme Mamadi à Kota Kaboy, à Otomini. C'est de Yomou jusqu'à Kassa, c'est ce qui fait la Guinée. Vous, les communautaires, là, ce sont les Brissé Ourilake. Aujourd'hui, Dr Kassori, leur digne fils, il est en prison. Ce sont Bébri Ourilabi, la Guinée du Souma. Alou Hankri Dolou, vous qui êtes dans l'esprit communautaire. Fla Bébri Ourilabi, Bressé Bey Ouribi, la Guinée du Souma. Alou Hankri Dolou. Alteo Nyayela, vous ne comprenez pas ça. Alteo, Altal Kuna Barela. Ko ce sont Bey Mone, parce que Manikala Ankuna. Ou bien Fla Bey Mone, Bressé Bey Mone. Manikala Dissé Mounkela Oko. Alou Hankri Dolou, Altal Kuna Barela. Alou Nato Kaman Kalou Bemangbeya, Kam Bemangbeya, Hankri Dolou. Ayo Koujou Kela Momina, Alia Kela Mankal Lila. Pe Alteo Nyayela. Alteo Nyayela. Continuez dans vos trucs communautaires là. Mais à conséquence, Aldaye. Comme Alte Feka, vous ne voulez pas réfléchir. Vous êtes juste toujours dans l'esprit communautaire, en train de diviser pour dire Kono, Manka pouvoir, Hankri Doya Kumalou. Les cadres que le président Alpha Condé a insultés, là, c'est eux qui sont là. Que c'est un cadre maléqué, c'est des malhonnêtes, là, c'est eux. Parce que, quoi que l'autre a là, ce que leur plan, c'était ça. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Gérer le pays avec la haine. Gérer le pays avec la haine. Recruter des gens dans l'armée. Sélectif. Les endoctriner, Kafalkouna. Mais beaucoup ont compris aujourd'hui. Beaucoup parmi ces gens-là ont compris. Et c'est pourquoi. Nous n'allons pas nous asseoir, ils vont détruire devant nous. Non. On va pas laisser ces vauriens-là continuer à inciter Katol la monnaie mankal kama ote ka nyakoroya. Ote ole tena kala nyakoroya. Vous avez vu quel pays? Les dadis c'était là. Dadis est venu. Le CNDD, c'était composé de tout le monde. Toutes les ethnies, le CNDD. Vous avez vu le jugement? Il y avait tout le monde, Peul, Malinké, Forestier. Tout le monde était devant là-bas. C'est quoi qu'on était venu? Pareil. Le gouvernement du président Alpha Condé, pareil. Mais depuis que les bandits sont venus, quand vous remarquez qui commande, la gendarmerie, Bala Samoura, au temps du président Alpha Condé, c'était qui? Général Baldé. L'inspecteur général de l'armée, au temps du président Alpha Condé, Alpha Ousmane. Donc c'est pour vous dire que le pays. Il y a, même si un groupe, comme certains aiment le dire, était nombreux, mais il y avait la diversité quand même. Mais par rapport aux bandits aujourd'hui, tout ce qui est commandement, c'est qui?
La République appartient à tout le monde. Donc, si vous n'avez pas d'argument, hein? Si vous n'avez pas d'argument, taisez-vous. Si vous n'avez pas d'argument, taisez-vous. Et je vais dire la vérité. Hein? Si vous pensez que les docteurs Kassori, les Damaro, les docteurs Diané, les anciens dignitaires, moi, je vous ai dit depuis le départ, si vous pensez qu'ils vont libérer ces gens-là, c'est à travers les paroles. Combien de personnes ont parlé à Mamadi, ne serait-ce que en résidant surveillé, Mamadi ne le fera pas. Tant que les gens-là ne vont pas faire allégeance à lui, comme les Madifine Diané sont en train de faire. Il y a des gens qui ont dirigé au temps du président Fakonde, ils ont tout eu, mais ils ont fait allégeance. Tant que quelqu'un ne fait pas allégeance au bandit Mamadi Doumbouya, automatiquement, il te prend comme ton ennemi. Tant que Dr Kassori ne va pas c'est-à-dire faire des déclarations, Mamadi Doumbouya, je suis avec toi. Damaro, je suis avec toi. Dr Diané, je suis avec toi. Ils seront toujours des prisonniers, même s'ils doivent mourir, tant que lui, il est là-bas, il va le faire. Ou, c'est-à-dire le contraire, on se lève. Biringa Mini, autoroute, Mereira Mini. Nous le savions aujourd'hui. Hein. Et Rafa, la élection, c'est entre le RPG et l'UFDG. C'est entre les deux. Si le président Fakonde n'est pas là. Anna, Dr Kassori, nous. Dr Kassori, nous. C'est Loudal et Nantagui. Ça, c'est clair et net. Le CNRD, ils sont au courant de ça. Et Colon, élection tôt. Dr Kassori, favori Nara. Anou, elle a Seloudal et Anané et Nantagui. Donc, le CNRD, il y a des aigris aujourd'hui à côté de Mamadi. Je l'ai dit, hein, moi, je n'aime pas. Est-ce que j'ai besoin même de dire aux gens que je n'aime pas Mamadi? Tout le monde, c'est-à-dire moi, ma position déjà envers Mamadi, Birakolo, Namoufalama. Mais une chose est claire. Dès qu'il a fait son coup d'État, il voulait le pouvoir pour sauver sa tête. Mais le faire le mal, il n'avait pas l'intention là dès le départ. S'il voulait tuer le président Fakonde, il allait le tuer le même jour. S'il voulait humilier les docteurs Kassori là, eux, ils n'allaient pas rester à la maison. Mais les escrocs qui sont à côté, ils l'ont induit en erreur. Maintenant, c'est devenu compliqué pour lui. C'est ce qu'on a dit. Les docteurs Kassori à la maison. Si les gens n'étaient pas heureux de leur libération, et aujourd'hui, la colère, la haine envers lui, là, qu'est-ce qu'il gagne dedans? Mais comme il est bête dans sa tête, il ne comprend pas. Il n'a qu'à les garder. Et il ne fait qu'aggraver ses problèmes. Maman dit, d'autres voilà là, donne-le là la coca. Tu vas écouter Idi Amin. Tu vas tomber dans le trou. Tu vas écouter Bala, tu vas tomber. Amara. Aujourd'hui, tu as vu, au départ, la cellule, il n'y avait pas de problème contre lui. Tu pouvais aller à Bambeto, aller prier à la mosquée de Bambeto comme tu voulais. Tu pouvais te promener comme tu voulais. Mais aujourd'hui, tu as peur, pourquoi? Depuis que tu es venu humilier les dadis, vous pensez que le président Alpha Condé avait peur de faire le procès du 28 septembre? Est-ce que le jugement, le président Alpha Condé, son nom est dedans? Non. La République, les leaders, on ne joue pas avec. Qu'on le veuille ou pas, Dadis a une popularité en forêt. Qu'on le veuille ou pas, Elassaloudal a une popularité. Qu'on le veuille ou pas, Sidi Touré a une popularité. Qu'on le veuille ou pas, les docteurs Kassori, les Damaro, ils ont une popularité. Sans parler même du président Alpha Condé. Donc, Ibarakla Djamanako, Kela Djamako, Kela Yakela Hankirilila. En Côte d'Ivoire, il y a eu combien de morts? Plus de 3000. Laurent Gbagbo, ils l'ont amené à la cour pénale. Mais vous savez comment les gens se sont arrangés. Parce que si on condamnait Laurent Gbagbo, la haine n'allait pas finir en Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu comment le président Ouattara a accueilli Laurent Gbagbo quand il rentrait en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est pour la paix. Demander pardon aux Ivoiriens. Apprendre de leurs erreurs pour ne pas que ça se répète. Mais si des bandits viennent s'attaquer aux responsables, humilier Seloudalé, le faire sortir de sa maison, Sidi Touré, les docteurs Kassori les gardaient en prison. Pendant que ce temps, les voyous sont en train de construire des châteaux, des immeubles poussent à Conakry. Ils achètent des domaines à l'étranger, ou les Fari. Comment le pays peut avancer dans le mensonge? Vous dites quelque chose, vous faites le contraire. Odor, ou les Fari. On aimerait kidnapper fait. Ou à Falako, non, au temps du président Fakonde, il n'y avait pas de liberté. Oui, mais on n'a pas kidnappé quelqu'un. On n'a pas kidnappé les Fonike Mangi. On n'a pas tué des officiers supérieurs comme les Sadiba. Humilier l'armée. Vous pensez que quoi?
Vous voulez que les gens vous aiment, aimez d'abord Alpha Condé. Aimez d'abord la cellulaire. Aimez Sidi Touré. Eux là, c'est des leaders politiques. Vous voulez humilier des leaders que les gens vont vous aimer. Vous n'avez même pas de niveau d'études. Un groupe de bandits, si ce n'est pas les armes, d'abord vous êtes des traîtres. Vous avez trahi le président Alpha Condé. Vous avez trahi le peuple de Guinée. Parce que vous avez menti le 5 septembre. Qu'on soit au nom du peuple. Vous êtes en train d'affamer ce peuple aujourd'hui. Vous êtes en train de terroriser ce peuple aujourd'hui. La Guinée Kayomou n'a pas mis de tout. Il a fait la cour en fait. Il nous minute, il rouillera mini. Dit bandit et mousse c'est colo. Et bal tongo. Allô. Djihadiste n'a pas la Guinée Kira. Et pourtant, il n'a mec. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est pour le peuple. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Mais dit bandit et també, c'est pour eux. Et Kering Bénard. C'est du jus, hein. Nga Masso Obedi. Béni. Voilà, 100%. Pomme Nara. Béni. Sinani et Rafa Yakossi. Ils ont vu quelque chose dans la bouche de Damaro. Donc, les Guinéens doivent se réveiller. La Guinée Kei Lama et Rakeli. Et Rahakli Soto. Difetama. Voilà. Mounara Naba Rebe. Nous qui sommes à l'étranger ici. Notre sortie. En principe. Et nous, on devait dire, voilà nos occupations. Moi, j'avais un rendez-vous hier, à l'hôpital. J'avais des rendez-vous avec l'assurance après mon accident. Mais je vous dis, j'ai tout abandonné hier. Je devais aller à l'hôpital hier. Pour mon traitement, je n'ai pas été. Je devais recevoir des appels hier. Ceux qui m'ont vu hier, j'ai rejeté ces appels-là. À cause de la manifestation. La Guinée est dans le Birim Honoré. Il n'a fallu qu'on y ramène. Djibandi est en Bekono. La vidéo qu'ils ont fait sortir, je vais dire aux Guinéens, la vidéo, Mamadi ne fait pas peur aux Guinéens. Le CNRD, vous ne faites pas peur aux Guinéens. Voilà. Vous savez la vidéo où on est en train de chicoter le jeune. Pourquoi je ne mets pas la vidéo? Si j'avais posté, vous n'avez pas compris. Il y a certaines vidéos, vous les postez sur vos pages, vous allez réduire la visibilité. Parce que Facebook, il y a certaines choses, ils n'aiment pas. Même si on essaie de véhiculer un bon message, de dénoncer les voyous du CNRD, c'est eux-mêmes, les voyous du CNRD, là, c'est eux qui allaient signaler. Pourtant, c'est eux qui ont fait le mal. Hein. C'est pourquoi je n'ai pas posté la vidéo. Beaucoup m'ont amené. Il y a longtemps, on est dans Facebook, là. On connaît les vidéos qu'il faut mettre. Donc, tout ça, ils font par exprès pour, c'est-à-dire faire peur aux Guinéens, s'aimer la terreur pour ne pas que, et n'a fait la manifestation, mais Mamadi, tu ne ferais personne. Wallah, vous allez passer devant. Voilà. Vous allez passer devant la justice guinéenne. Allô, je te rappelle, là, je suis dans live, dans 10 minutes. Donc, le fait de faire sortir ces vidéos-là, vous ne faites peur. D'ailleurs, ça va se retourner contre vous. Les organisations des droits de l'homme, hier, tout ça a été présenté devant les Nations Unies, la barbarie qui est en Guinée. Hier, malgré que ça a débordé hier, les manifestants, certains ne voulaient pas respecter nos règles. Mais la police de New York, ils n'ont pas insulté, ils ne nous ont pas insulté, ils ne nous ont pas chicoté, ils n'ont pas jeté des gaz, ils étaient calmes, ils étaient dans notre esprit. Et c'est ça des vrais policiers. Sinon, l'avenue 3, occuper tout l'avenue 3, un mardi, c'est du jamais vu. Demandez tous les Guinéens qui ont manifesté, vous avez, allez-y voir les vidéos anciennes de toutes les manifestations ici. L'avenue 3, occuper l'avenue 3. 39e, jusqu'à aller au 47e descendre. On a tout occupé. Vous savez que cette partie-là, il y a des diplomates, les ambassadeurs, ainsi de suite. Mais nous, hier, pour vous dire combien de fois ça ne va pas en Guinée, et le message est passé, le CNRD. Hein? Nous représentons aussi les Guinéens ici. Et le 10 septembre, on vous attend encore, pied ferme. Le 10 septembre. Maman dit, il faut venir. Il ne faut pas annuler ton voyage. Il faut venir cette fois-ci.
Il faut venir le 10 septembre. C'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Le 10 septembre, il faut venir. On vous attend. C'est-à-dire, ce qu'on avait fait l'année passée, là, c'est petit. Cette année-là, vous allez sentir. Ça, là, c'est une semaine, on avait programmé. Mais on va faire un mois en train de sensibiliser les gens. Et on va très bien organiser. Toutes les tueries, tous ceux qui sont morts, nous allons faire des pancartes géants pour aller cette fois-ci. Merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. Merci au peuple de Guinée. Restons mobilisés. Et à part la dictature du bandit Mamadou Doumbouya, à part la dictature du CNRT, à part la France qui, la France aujourd'hui qui est en train de soutenir ces bandits du CNRD en Guinée. Hier, les gens étaient tellement pressés, sinon on devait passer au siège de, c'est-à-dire devant l'ambassade de France. Comme ça, on allait les secouer un peu. Eux, ils allaient vite envoyer le message au Quai d'Orsay. Mais prochainement, nous n'allons pas nous diriger seulement que devant les Nations Unies. Nous allons passer devant l'ambassade de France pour passer un message à Macron. Voilà. Dera Leni, merci. Fala Bandjou, merci à vous. Merci à Fofana. Denis Ouma, il ne faut pas répondre ces malhonnêtes-là. Il ne faut pas répondre ces voyous-là. Voilà. Merci en tout cas, Madi Sanda Wassoulou. Mamadi Keita, merci à vous. Fatmata Keita, merci. Merci à Karifa Kamara. Kromadada Domani, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Adjabo Boba, merci à vous. Alexandre Pivi, merci. Alpha Diobaldé, merci à vous. Mamadou Aliou Diallo. Marcus Cole, merci à vous. Merci à Soule Sissé. Merci. Ceux qui sont sur l'autre page, Maguinée d'abord, si vous voyez que je ne lis pas vos noms, je suis sur le général 5 étoiles. La page est juste synchronisée avec Maguinée d'abord. Donc, les messages de Maguinée d'abord, je ne les vois pas. Donc, le live, c'est je fais le live à partir de général 5 étoiles. Donc, ne dites pas que je ne lis pas vos messages. C'est parce que je suis sur l'autre page. Général 5 étoiles. Itachi Okusha, merci à vous. Merci à Moussa Keita Souma, merci à vous. Merci à tout le monde. Alphonse Traoré, merci à tous les vrais patriotes. À ce soir encore pour d'autres lives. Bobo Diallo, bonne soirée. Alpha Ouma Diallo, merci. À demain. Non, à ce soir plutôt, parce qu'on ne peut pas abandonner. Moi, actuellement, là même, ça m'arrange. Je suis assis d'abord, je n'ai pas fini de régler l'affaire de voiture, l'assurance, les traitements. Donc, toute la semaine, là, moi, ça m'arrange. Voilà. Et on ne se réjouit pas d'un accident, mais à quelque chose, malheur est bon. Je suis là. D'abord, au lieu de sortir, aller, voilà, c'est vrai que ça va me faire perdre beaucoup d'argent, mais la Guinée, c'est plus important que tout ça. Voilà. Maintenant, je pourrais écouter les gens. J'ai le temps d'écouter ceux qui m'envoient des nouvelles, ceux qui me donnent des nouvelles. J'ai tout le temps de les prendre pour bien noter. Je suis assis à la maison. Là, je peux bien noter. Voilà. Mamadi Diawara, merci à vous. Merci à tout le monde. Et Mamadi Sandan Wassoulou.